Je comprends. Vous avez souvent été trompé dessus. Mais Nora veut rétablir tout ça et vous accueillir comme sa propre fille. Aurore ! Je suis revenue. En fait, j'ai un nouveau message pour vous. Je te connais. Je sais quand tu t'assieds et quand tu te lèves. Je comprends de loin ta pensée. Je sais quand tu marches et quand tu te couches, et je pénètre toutes tes voies, car la parole n'est pas sur ta langue, que déjà je la connais entièrement. Je t'entoure par derrière et par devant, et je mets ma main sur toi. Waouh ! On ne m'avait jamais dit quelque chose d'aussi beau ! J'aimerais tellement pouvoir effacer mon enfance de ma vie. Je suis pas arrivée au bon moment dans la vie de mes parents. Mon père, il se galérait pour trouver un boulot. Ma mère, c'était une simple vendeuse. Et moi, je pleurais. Je voulais peut-être simplement qu'on me prenne dans les bras. Et puis quand j'étais toute petite, mon père, il s'est barré. Et vous savez ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit, mais t'inquiète pas, ma chérie, je t'aimerai toujours. Ah, tu parles. Depuis, il n'a plus donné aucun signe de vie. Ah, je crois que j'ai compris que je dois me débrouiller toute seule, sans compter sur personne. Sur le roi, Aurore ? Il vous aime sans condition. Il n'y a pas de mauvais moment pour aller le voir. Il veut vous combler au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer de meilleur. Le meilleur, c'est le chant. Enfin, je crois. C'est toute ma vie. Oui, c'est ça. Je suis née pour chanter. Oui, le chant, c'est en vous, et le roi veut vous emmener loin avec, mais à sa manière. Aurore, une fois princesse, la vie ne s'arrête pas, au contraire. Vous n'allez pas rester enfermée dans ce palais. Vous allez faire une rencontre, la plus merveilleuse des rencontres, celle avec le roi. Et puis, la vie reprendra son cours, mais sous le regard d'amour du roi. Venez, vous ne serez pas déçus. Et surtout, vous ne regretterez rien. Désolée. Attendez ! Emmenez au moins avec vous le livre du roi. Thank you.
Coucou! Ben quoi? T'as le moral dans les baskets? Non, excuse-moi. T'inquiète pas, ça va aller. Elle va... peut-être... très certainement... Je veux dire, revenir avant qu'il ne soit trop tard. En fait, c'est pas tout à fait sûr. Hein. Je veux pas te décourager, mais il faut être réaliste et tu sais... Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'elle n'a pas compris. Oh oui, ça c'est sûr. Hein. Elle n'a pas compris que la marche à pied, ça use, ça use. La désespère. Oh oui, ça c'est sûr. Hein. Elle n'a pas compris que la marche à pied, ça use, ça use. La désespère. Elle n'a pas saisi combien l'amour du roi était important pour elle. Elle n'a pas compris que pour inviter des jeunes filles comme elle à devenir sa propre fille et être princesse, le roi a payé le prix. Oui, son fils. Son fils est mort, tu te rends compte? Mais il est ressuscité, rassure-moi. Mais oui, et c'est ça qui est merveilleux. Le fils du roi nous permet alors l'accès au royaume de son père. Son fils est comme le pont indispensable pour entrer et rencontrer le père et son amour pour chacun.